susute Yesu nanga yonenzambe Yahweh 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 Sukisa Goliate, Zambe nanga sukisa Farao, Zambe nanga tona na kuyao, omosunso azateo. Yahweh, 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 Papa nangu zali Zambe. Kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, ozali Zambe. Kumama. Kumama Yahweh kumama ozali Zambe Kumama Yahweh kumama Shilo kumama ozali Zambe Kumama Yahweh kumama Yahweh kumama ozali Zambe Nakoye mela Shilo tena mutili oyo Nakoye mela nanie Kumama Yahweh kumama Yahweh kumama ozali Zambe Nakosanjola Yesu masiate mwana tambe nakokumisa nanie Kumama Yahweh kumama Yahweh kumama ozali Zambe Kumama Shilo kumama Shilo kumama ozali Zambe Kumama Yahweh kumama Yahweh kumama ozali Zambe Kumama Yoshua kumama Yoshua kumama ozali Zambe Kumama Yahweh kumama Yahweh kumama ozali Zambe Kumama Jova kumama Jova kumama ozali Zambe Kumama Kumama Yahweh kumama ozali Zambe Oh elonga nanga Seyo Yesu Masiya elonga nanga Seyo mwana na Zambe Nazarelio Yesu elonga nanga Nazarelio Yesu mika mwananga Oh nakinta lelo Seyo Yesu Masiya Akosamwa lelo Seyo mwana na Zambe Nazarelio Yesu elo mwananga Nazarelio Yesu mika mwananga Oh nalimota nanga Seyo Yesu Masiya gloire. Dieu de la gloire. Boubi Saba, Sanjo Lama, 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 Sanjo Lama, Sanjo, Boubi Saba, Sanjo Lama, Boubi Saba, Boubi Saba, Sanjo Lama, Boubi Saba, Boubi Saba. Asanjolama, Kumisama, Kumisama, Asanjolama, Kumisama, Kumisama, Asanjolama, Kumisama, Kumisama, Asanjolama, Kumisama, Kumisama, Asanjolama. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Bien-aimés, acclamons pour le roi des rois. Oh, que nos acclamations s'associent avec des cris de joie. Sont des cris de joie pour ce grand Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Dis-le-y, 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 dis-le-y. Tu es Dieu, Seigneur. Dis-le-y, dis-le-y. Reçois nos louanges. Dis-le-y. Reçois notre adoration, Seigneur. Sois béni, ô Dieu. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit loué. Je vous salue tous au nom merveilleux, glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce une fois de plus. Ce soir, nous sommes là, cet après-midi, pour la gloire de son nom. Bien-aimés, je vous prie... si nous pouvons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire quelques portions des Écritures saintes. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 13, verset 17. Et ensuite, nous lirons Jacques chapitre 1, verset 22. C'est pas ça vraiment le texte de mon message de cet après-midi. Mais juste, j'aimerais introduire mon message par une petite exhortation qui nous aidera ce soir à prier. Non seulement à prier ici à l'église, mais qui t'aidera, qui m'aidera aussi dans la maison, que nous puissions continuer à prier. C'est une exhortation que le Seigneur nous a faite ce soir par la bouche de l'apôtre Jean et de l'apôtre Jacques. Premièrement, nous lisons Jean chapitre 13, verset 17. Ensuite, nous lirons Jacques chapitre 1, verset 22. J'ai l'homme de Jésus. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Jacques chapitre 1, verset 22. Gélant de Jésus, mettons en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Amen. Bien-aimés, deux personnes différentes avec chacun ses propres mots, ses propres phrases, mais soit la forme est différente, le fond reste le même. Ici, Jean nous dit dans Jean 13, 17, heureux sommes-nous, vous êtes, en écoutant ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Il faisait allusion à quoi? À la parole. Là, c'est le Seigneur qui est en train de parler aux disciples. C'est bien d'écouter la parole. C'est bien d'écouter la parole. Mais il ne suffit pas seulement d'écouter la parole, mais il serait mieux. Et c'est ce qui fera que vous et moi, nous soyons heureux en mettant cela en pratique. Amen. Et Jacques vient toujours avec la même pensée, mais il y a une autre forme. En nous disant, ne nous bornons pas seulement à écouter. Ne soyons pas seulement des écouteurs oublieux dans certaines circonstances, mais que nous puissions nous efforcer à mettre en pratique la parole des dieux. Tout ce que Dieu peut nous demander, c'est que Dieu voit que nous sommes capables de le faire. Amen. Dieu ne peut pas demander à un homme une chose dont elle est incapable de faire cela. Non, non, non. C'est que Dieu voit que tu as la capacité, tu as les potentialités nécessaires pour faire ce que lui, Dieu, te demande. Si Dieu nous exhorte à la prière, parce qu'il sait que nous sommes capables de prier. La prière, c'est tout simplement un dialogue entre deux personnes. Une divinité et un être. Ou une créature. C'est-à-dire, nous dialoguons. C'est-à-dire, toi tu parles, en retour, Dieu fait quoi? Il te parle. Parce que nous sommes de ceux-là qui croyons qu'il y a un créateur de toutes choses. Le créateur de l'univers. Il y a un Dieu, quelque part, qui nous a créés et il dialogue avec nous. Des fois, par la parole. Le dimanche passé, on avait dit que la loi des semailles et de la moisson ne passera pas aussi longtemps que la terre subsistera. C'était dans Jean chapitre 8, verset 22. Dieu a pris cette résolution, pourquoi? Après avoir délivré la terre face au déluge, et ayant senti l'odeur de l'offrande que Noé l'avait déposée sur l'autel, brûlé cette offrande-là, Dieu a senti que l'odeur de l'offrande était tellement agréable à son nez, il prend la résolution. Il dit aussi longtemps que la terre subsistera, la loi des semailles et de la moisson ne cessera point. C'est-à-dire, si nous sèmons, nous allons récolter. Mais nous avons dit, pour ceux-là qui n'étaient pas là, rapidement, je fais un petit résumé, que nous nous sommes appelés à s'aimer. Mais en s'aimant, nous sommes rassurés que nous allons aussi récolter. C'est ça la moisson. Mais qu'est-ce que nous allons s'aimer? On a dit, nous nous s'aimons la parole. C'est ça la prière. Nous venons devant Dieu comme nous sommes venus cet après-midi devant Dieu, non pas dans ces cultes d'adoration, non pas seulement pour adorer, non pas pour louer, mais aussi pour écouter Dieu. Nous ne nous limiterons pas seulement à écouter Dieu. À un moment donné, nous devons aussi s'aimer. S'aimer la prière. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure après mon intervention. C'est-à-dire chacun de nous va prier, va s'aimer la parole. C'est pourquoi nous avons dit, Dieu nous appelle, nous exhorte d'entrejeu que nous ne devons pas seulement à écouter, mais nous devons aussi mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons mettre en pratique ce que nous avons écouté les dimanches passés, ce que nous allons écouter cet après-midi, et nous allons faire quoi? La mise en pratique, c'est tout simplement, nous allons commencer à s'aimer. C'est-à-dire, nous allons prier. Non seulement tu prieras ici, mais chez toi aussi, tu vas faire quoi? Tu vas prier. Quelqu'un peut m'aider à dire amen. Bien-aimé, celui qui est capable de prier est capable de tout. Je réponds, celui qui est capable de prier est capable de tout. Par la prière, tu es capable de changer la cours des choses. Par la prière. Mais nous sommes là, des fois nous nous disons... Cet homme dans la Bible a prié, il a vu les miracles. Celui-là aussi avait prié, a vu les miracles. Mais qu'ont-ils fait? Comment ils ont prié? Bien-aimés, ils n'étaient pas spéciaux. C'était des hommes, c'était des femmes comme vous et moi. Mais une seule chose, ils avaient compris que la prière était importante. Bien-aimés, j'aimerais ce soir que chacun de nous, à la fin de ce message, puisse comprendre que les choses doivent changer dans ta vie. Moi, je refuse de subir certaines choses. Je refuse d'encaisser. Même un boxeur qui est sur le ring, il ne fait pas seulement en train d'encaisser. Il perdra le combat. À un moment donné, il doit aussi donner des uppercuts. Pourquoi? Parce qu'il doit réagir. Il doit réagir. Il doit aussi à son tour donner des coups. Bien, mais quelle est cette vie chrétienne? Tu es es là en train de pleurer. Toi, tu es seulement une pleureuse. Tu es là en train de pleurnicher. Tu es là seulement en train de souffrir, de subir comme si tu n'avais pas un Dieu. Oh bien-aimé, je refuse. Moi, j'ai un Dieu. Oh, je refuse. Je refuse. J'ai dit à quelqu'un, si toi, tu vas rester comme ça, moi, je refuse. Parce que j'ai un Dieu. À un moment donné, j'ai subi. À un moment donné, je me lève. J'ai dit non, ça suffit. Par la prière. Bien-aimé, il y a eu un homme dans la Bible. Moi, j'aime la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre que cet homme n'était pas différent. C'était comme toi et moi. Jacques. Jacques chapitre 5, verset 17. Nous ouvrons nos Bibles. Oh bien-aimé, nous allons prier. J'ai envie de s'aimer la parole de Dieu. En s'aimant la parole ce soir, je sais qu'un jour, je vais récolter. J'aurai l'exaucement de ma prière. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. J'ai le nom de Jésus. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Est-il quelqu'un qui a une autre version? Nous attendons une autre version. Le but en lisant d'autres versions, c'est pour nous aider à comprendre. Parce que chaque traducteur a sa manière de traduire, à son interprétation. Comme je dis, la forme peut changer, mais le fond reste le même. On dit que Élie, dans Jacques chapitre 5, verset 17 à 18, la Bible dit... Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Oui, notre version, s'il te plaît. J'ai le nom de Jésus. Amen. Élie était un homme tout fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié encore une fois, et le ciel a donné de la pluie, la terre a produit ses récoltes. Amen. Élie était un homme comme nous. C'est-à-dire, Élie n'était pas spécial. Alléluia. Élie était comme vous et moi. Élie était comme vous et moi. La Bible dit qu'il avait la même nature que nous. Dans la version Martin, je me suis donné un peu de la peine de chercher pour nous. Dans la version, dans la Bible Martin, on dit Élie était un homme sujet à des semblables infirmités que nous. Dans la version Darby, lui, il dit, Élie avait le même passion que nous. L'autre parle de la nature, l'autre parle des infirmités, l'autre parle des passions. Dans la version King James, c'est une version anglaise, on dit, he was a man subject to like passions we ah. Dans la version anglaise, parce que les commentateurs bibliques disent que les versions anglaises se rapprochent de la traduction originale, c'est-à-dire de l'hébreu et du grec. C'est-à-dire les Anglais ont traduit presque textuellement C'est-à-dire, dans la version King James, on dit « Amen subject to like ». Et ajoute « to like ». Des fois, nous disons cela quand nous likons. Nous likons, c'est devenu même un verbe francisé. Nous likons les photos dans les Facebook, les commentaires, tout ça. C'est-à-dire, c'était un homme qui aimait, avait les passions, la même passion que nous. C'est-à-dire, Élie avait la même nature que toi, et moi. Élie avait les mêmes faiblesses que nous, nous avons aujourd'hui. Élie avait les infirmités que nous, nous avons. Élie avait les insuffisances. Élie avait les manquements que nous, nous avons. Mais qu'est-ce qu'a fait Élie? La Bible dit, Élie avait prié. Il pria avec instance. La sœur a lu l'autre version, on dit, il pria beaucoup. C'est-à-dire, il ne sait pas, là la Bible nous dit seulement qu'il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Mais quand on lit, on parle qu'il a prié avec instance. Il a prié beaucoup. C'est-à-dire, pour qu'Élie arrête la pluie, pardon, pour qu'Élie arrête la pluie que cela ne tombe pas pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire il a pris du temps, il a prié, 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 jusqu'à ce qu'il voie le résultat de sa prière. Amen. Mais on dit que c'est un homme, comme nous. Bien-aimé, un homme qui arrêta le ciel, qui ferma le ciel. Pendant 3 ans et demi, il n'y put même une goutte d'eau venant du ciel. C'était quoi? La prière. Mais quelle prière? Il avait parlé. Ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Suivez-moi très bien. Ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Mais c'était Élie qui avait fait quoi? Qui avait parlé. Il a fermé le ciel. Faisons un pas en arrière. Retournons à l'Ancien Testament. Dans 1 roi, chapitre 17. Reste ma soeur, nous gagnons le temps, je vais lire. Dans 1 roi, chapitre 17. Là, on introduit directement Élie. Dans 1 roi du début jusqu'au 16e chapitre, on n'a pas parlé d'Élie. On ne connaît pas ses origines. Parce que d'autres personnages dans la Bible, on disait fils d'eux, venu de telle famille. Là, on ne parle pas. On dit seulement 17e chapitre de 1 roi, on dit Élie le Tishbite. La Bible introduit directement Élie sans parler de ses origines. On dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura pas ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Bien-aimés, partant ces versets, qui peut me dire là où Dieu a dit à Élie? Personne. Dieu n'a pas dit à Élie, dit à Akab, que moi, Dieu, je fermerai le ciel et il n'y aura pas de pluie. Non. Élie se présenta devant Akab seul. Il dit au roi Akab, l'Éternel dont moi je suis le serviteur, il est vivant, le Dieu d'Israël. Durant toutes ces années, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Mais c'était la parole d'Élie. Amen. Oh, bien-aimé, ce n'était pas la parole de Dieu, c'était la parole d'Élie. C'est Élie qui est par là. Il dit sinon à ma... La Bible est claire. Ouvre ta Bible. Lui, le 17e chapitre du premier livre des rois. Il dit, sinon à ma parole. Et maintenant, dans Jacques chapitre 5, versets 17 à 18, on a calculé, on dit, cela a fait 3 ans et demi. Bien-aimé, il y a des choses que toi, tu peux déclarer sur la terre que le ciel actera. Il y a des choses que toi tu peux déclarer sur la terre que le ciel actera. Dieu attend que les hommes et les femmes puissent parler. Dieu a besoin que tu parles, que tu lui parles, que tu dises des choses, que tu déclares des paroles. Et lui fera quoi? Lui actera. Mais quand Christ a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Christ a dit un jour à Pierre, je te donne les clés du royaume. Il a dit, tout ce que moi je lierai sur la terre sera lié Tout ce que moi je lierai sur le ciel, pardon, le ciel sera lié sur la terre. C'est ça? C'est ça? Non, je réponds. Dieu a dit à Pierre, tout ce que moi, Dieu, je lierai sur le ciel sera lié aussi sur la terre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Non, non. Il a dit, suivez-moi très bien. Il a dit, tout ce que toi, tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Cela voulait dire tout simplement, il y a des choses que toi, Pierre, tu dois faire sur la terre, que moi, Dieu, assis sur mon trône dans le ciel, j'acterai seulement. Oh, Dieu attend que tu parles. Ton problème, parce que tu ne parles pas. Ton problème, quand tu pries, tu... Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, des fois... Oh. Des fois, arrêtons de pleurer. Arrêtons de pleurer. Nous aimons tous les prières. Seigneur, tu vois dans ma situation. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, 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 tu te mets à pleurer. Oh bien, mais ça fait un temps, moi j'ai arrêté ce genre de prières. Est-ce que prier comme ça, c'est mauvais? Non, c'est très bien. Il y a des gens qui ont pleuré devant le Seigneur. Mais moi, votre frère, c'est ce que j'aimerais que le Saint-Esprit nous aide et tous nous amène à cette dimension-là. Que nous nous arrêtons de fois de pleurer devant le Seigneur. Des fois, je tiens compte de mon identité. Je tiens compte de ce que Dieu est pour moi. Je me lève dans la prière, je dis, oh, alléluia. Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire Dieu est prêt. Dieu est prêt. Si nous devons prendre encore l'exemple d'une autre personne, un autre personnage dans la Bible, du nom de Josué. Mais nous aimons des fois dire ça. Des fois nous parlons de cela. Des fois nous évoquons ces choses. Mais qu'avait fait Josué? Tu peux lire dans ta Bible, dans Josué chapitre 10, versets 12 à 14. Un jour, Josué a arrêté le soleil. Josué a arrêté le soleil. Tu peux noter, tu vas lire chez toi à la maison. Josué chapitre 10, versets 12 à 14. Mais c'était un combat face aux Amalécites. Le combat n'était pas encore terminé. Le soleil allait se coucher. Il allait faire nuit. Mais comme Dieu avait déjà livré ses ennemis en ses mains, Josué a dit quoi? Josué a dit, soleil, arrête-toi. Ce n'est pas Dieu qui est venu dire à Josué, non. Josué, Dieu lui a tout simplement dit que je livre tes ennemis entre tes mains. Mais pour arrêter le soleil, c'est Josué lui-même qui arrêta le soleil. Il dit, soleil, arrête, sois sur Gabaron. Le soleil s'est arrêté. Le soleil ne s'est pas laissé coucher. Et la Bible dit, cela a fait un jour. Nous connaissons les cycles. Nous connaissons tous les cycles. Le soleil se lève le matin et se couche le soir. Vers 6 heures, vers 7 heures, bon, ça dépend des saisons. Pendant ces temps, même vers 9h, même 10h, le soleil, 10h du soir, le soleil se couche. Mais quelle que soit l'heure à laquelle le soleil peut se coucher, il finit par se coucher. Amen. Hein? Amen. Et la lune doit prendre place, parce que c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Mais Josué a arrêté le soleil. Bien aimé, il y a des choses que toi, tu peux arrêter dans ta vie. Il y a des choses que toi, tu peux décider dans ta vie. Tu te lèves comme ça, tu dis non. Tu parles. Il y a des miracles que nous connaissons que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il y a des fois le Seigneur a touché les gens. Il y a des fois le Seigneur a guéri les gens en touchant même le cercueil. Le fils unique de la veuve de Naïn avait ressuscité. Il y a eu des moments où le Seigneur a imposé les mains aux gens. Mais il y a eu le moment où le Seigneur n'a pas imposé les mains. Alléluia. Il a seulement libéré la parole. Il a seulement libéré la parole. Il dit, va, ta foi t'a guéri. La personne s'en est allée et elle fut guérie. Il y a eu des fois, le Seigneur pouvait dire à la personne, il dit, va seulement, ta fille est guérie. Et les serviteurs venant rapporter à leur maître que non, ta fille est guérie. Bien, mais où sont ces hommes et ces femmes de Dieu capables de libérer la parole pour changer les choses, pour arrêter certaines situations, pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas à exister? Jésus a parlé un jour sur un figuier. Il voulait manger les fruits et ce jour-là, il n'y avait pas de fruits. Est-ce que c'était la saison, c'était pas la saison? On ne sait pas, mais bref, il n'y avait pas de fruits. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? En allant avec les disciples, il dit que personne ne mange de tes fruits. Mais en retournant, lui-même, le Seigneur est passé. Est-ce qu'il avait-il oublié? N'avait pas oublié, on ne sait pas. Mais il y a une seule personne qui s'est souvenue. Il dit, mais en partant, le Seigneur avait déclaré sur ses figuiers. Et le figuier a séché. La Bible dit, le figuier sécha jusqu'aux racines. Le Seigneur n'a pas parlé. Et le Seigneur n'a pas touché au figuier. Il a seulement libéré la parole. Élie était un homme comme vous et moi. Mais il pria. Il pria. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est que quand tu pries, tu veux tout simplement que les choses arrivent instantanément. Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, c'est lui qui décide. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, c'est lui qui décide. Il peut faire les choses instantanément. Des fois, il peut prendre aussi son temps comme Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons à faire? De ne pas relâcher. Dans la parabole sur la prière, Jésus a dit aux disciples qu'il faut toujours prier, prier et point c'est relâcher. Il donne même la parabole du juge unique. Un juge qui ne respectait pas, qui ne craignait pas Dieu, qui ne respectait personne. Mais à cause de l'insistance d'une femme veuve, qui venait toujours insister, 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 il dit, cette femme risque de me prendre la tête. Je dois résoudre son problème. Alors le Seigneur dit, à combien plus forte raison les Seigneurs, Dieu, si ses enfants l'invoquent jour et nuit, tardera-t-il à leur faire du bien? Non, Dieu ne tardera pas. Le problème, c'est que quand tu pries, tu ne vois rien. Demain, tu pries, tu ne vois rien. Tu dis, je crois que Dieu m'a abandonné. Je crois que Dieu m'a laissé. Et ce n'est pas ça. Élie arrêta la pluie pendant 3 ans et demi. Il pria avec instance. Mais tu es capable d'échanger certaines choses dans ta vie. Comme on a dit, Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que toi. Lui, il est prêt à agir, à accomplir. Élie a dit, sinon à ma parole. Dans ta situation, dans ta condition, dans ton problème, pourquoi tu ne parles pas? Moi, je ne sais pas pour toi. Mais la science m'a appris que même les arbres respirent. Quelqu'un d'accord avec moi? Les arbres respirent. Si un arbre respire, c'est que c'est un être vivant. Quelqu'un d'accord avec moi? Ah là, les amens diminuent. Mais c'est un être vivant. Oui. Mais la Bible me dit quoi? Tout ce qui respire loue le Seigneur. Mais ça dépend des espèces. Ça, c'est une autre catégorie d'espèces. Mais au moins, ils ont la vie en eux. Ils ont la vie en eux. C'est-à-dire, dans les domaines spirituels, tout ce que nous voyons aujourd'hui a un arrière-fond spirituel. Amen. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a un arrière-fond spirituel. Bien-aimé, Dieu, dans sa divinité, dans sa souveraineté, était capable lui-même de nommer les animaux. De donner tous les noms à tous les animaux sur la terre. Dieu était capable Viens mon ami, viens Victor. Dieu était capable. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il pouvait nommer. Dieu fait quoi? Il a créé les animaux. Il appelle Adam. La Bible dit, il dit à Adam, donne le nom à ces animaux. C'est Adam. Maintenant, c'est Adam qui a donné le nom aux animaux. Il dit, toi, quand je regarde ta crinière, je pense que tu peux être lion. Aujourd'hui, tu t'appelleras lion. La manière dont toi tu rampes là, je crois qu'aujourd'hui, je t'appelle serpent. Bien-aimé, Dieu a voulu faire participer Adam à sa gloire. Qu'il soit participant de sa gloire. En nommant les animaux. C'est pourquoi Dieu t'a choisi toi aussi à faire partie de sa gloire. Il peut tout faire sans passer par toi. Oh bien-aimé, je dis à quelqu'un que Dieu est capable de tout. Rien ne s'oppose à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais la Bible déclare aussi, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à Dieu, si tu crois à ce que tu dis, tout est possible. Rien ne te sera impossible. Bien-aimé, il y a certaines impossibilités dans ta vie parce que tu ne crois pas. C'est parce que toi, tu ne crois pas. Si tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit, moi je crois que tout est possible. Alors qu'est-ce que je ferai? Je vais libérer seulement la parole. Oh, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est une affaire de foi. Les choses de Dieu, c'est une affaire de foi. J'ai dit à quelqu'un, les choses de Dieu, c'est une affaire de foi. Ce n'est pas un problème de raisonnement. Ce n'est pas un problème de la science. Ce n'est pas un problème d'intellectuel. C'est un problème de la foi. Les choses de Dieu, on dit c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas les 1 plus 1 égale 2, non. Ce n'est pas 4, 2 plus 2 égale 4, non. Je crois seulement. C'est ça, les choses de Dieu, c'est ça. Je crois seulement. C'est-à-dire quand je prie, je crois que ce que je dis, ça va se réaliser. Quand je prie, je crois que ce que je déclare, ça va se réaliser. Alors cela se réalisera. Pierre dit, je crois à ce que je dis et je dis ce que je crois. C'est-à-dire, il y a des choses que je crois, que je suis capable de les avoir. Je déclare que je veux les avoir. C'est ça une autre forme de prière. Ce n'est pas seulement pleurer, 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 non. C'est aussi s'élever comme ça. Tu te mets dans ton salon, dans ta chambre, je ne sais moi où. Tu commences seulement à déclarer, à parler. Oh, Rabasakaye Kababa, au nom de Jésus, je déclare que, oh, alléluia, que la montagne soit aplanie au nom de Jésus. Je brise toute barrière au nom de Jésus. C'est-à-dire, quand tu fais cela, tu crois à ta prière. Et ce que tu dis, s'accomplira. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Les choses de Dieu, c'est les choses de la foi. Ce n'est pas les choses du raisonnement. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'ai entendu la parole. Cela a produit en moi la foi. À cause de cette foi-là, je déclare la ferme assurance des choses que je ne vois pas. La démonstration des choses que j'espère. C'est-à-dire, je démontre que j'ai ces choses-là, mais je n'ai pas ces choses-là. Amen. Oh, bien-aimé, la Bible dit que les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui ne croient pas. Il me voit marcher à pied et j'ai déjà dit que non, j'ai une voiture. On me dit, mais il est fou. Mais moi, j'ai dit que j'ai une voiture. Oh, toi, tu as besoin de voir ma voiture au parking pour que tu croies. Mais moi, je crois que j'ai une voiture au parking. Mais c'est ça Dieu. Toi, tu as besoin de voir. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. On ne marche pas par rapport à ce qu'on voit, mais on doit marcher par rapport à ce qu'on croit. Et quand on croit, alors on possédera ces choses-là. Qui veut prier, qui peut prier. Prier avec foi, en déclarant des choses, en croyant que ces choses arriveront, et ces choses arriveront. C'est une folie. J'ai entendu un jour une sœur. Elle venait de se marier il y a de cela quelques mois. Mais la sœur m'a surprise par sa foi. Il me dit, papa. Alléluia. Je n'avais pas encore de fiancée. Mais je suis allé acheter une robe de mariage. Moi, j'ai dit quoi? Reprends un peu, je n'ai pas compris. Il dit non, je n'avais pas de fiancée. Même pas une proposition. Mais je suis allé acheter une robe pour le mariage. Moi, je dis quoi? Oui, je te dis la vérité. Je suis allé à Paris. J'ai acheté une robe pour le mariage. Moi, je dis, mais pourquoi tu as fait cela? Elle dit, non, parce que j'ai prié Dieu qu'il me donne un mari. Et je croyais que Dieu va me donner un mari. C'est pourquoi je suis allé acheter déjà la robe, parce que je sais que le mari viendra. Et un jour, le mari aussi est venu. Bien aimé, certaines personnes d'entre nous sont allées aussi à la fête de cette sœur-là que j'étais le nom. La foi. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Nous voulons prier. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Mais j'aimerais que si tu peux noter, tu as bien des choses à dire à Dieu. Si tu peux noter, noter même, ce que tu vas dire à Dieu ce soir. Et un jour, la Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais un jour, je crois. L'Éternel Dieu d'Israël est vivant. C'est lui seul qui accomplira cela. Et tu verras. Ce que tu vas déclarer aujourd'hui s'accomplir dans ta vie. Est-ce qu'il y a des Élie ce soir pour déclarer, pour dire comme Élie, sinon à ma parole? Lèvons-nous, nous allons prier. Je vous prie. Je vous en supplie même. Avec tous les respects que je vous dois, faisons un effort, lèvons-nous, nous voulons prier. J'ai besoin des hommes et des femmes qui peuvent s'aimer la prière, s'aimer la parole, déclarer des choses, donc les choses que tu vas déclarer, crois. Crois seulement à ces choses-là, Dieu va les accomplir. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria avec instance. 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Il dit, ni rosée, Akab, ni pluie, toutes ces années, sinon à ma parole. Oh, j'ai besoin des hommes et des femmes de foi ce soir. Bien-aimé, il y a des choses que tu peux déclarer dans ta vie. Il y a des choses que tu peux dire ce soir pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari. J'ai besoin qu'une personne puisse croire seulement en libérant une parole de foi. Oh, alléluia. Nous avons nos yeux fermés. Nous pensons à ce Dieu capable d'accomplir toutes choses. Nous pensons à ce Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Nous pensons à ce Dieu des miracles. Où rien n'est impossible à lui. C'est que l'on dit, Jéhovah, plus grand que c'est que l'on dit. Oui, tu es plus grand, tu es plus grand que c'est que l'on dit. Tu es plus grand que c'est que l'on dit. Aucun mot ne peut définir exactement ce que tu es. Merveilleux, tu es plus grand que c'est que l'on dit. C'est un Dieu grand et excellent. Un Dieu puissant, capable de tout. Plus grand que c'est que l'on dit. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ce soir, Tu peux rendre ce que l'on dit. Tu peux rendre ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que tous mes problèmes. Tu es plus grand que tous mes problèmes. Tu es excellent, mon roi, merveilleux. Jéhovah, tu es plus grand que ceux que l'on aime. Oh, tu es excellent, excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ceux que l'on aime. Élève ta voix maintenant, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence à déclarer des choses. Commence à déclarer des choses sur ta vie. Commence à déclarer des choses. 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 Oh, élève nos voix, bien-aimés. Prions, prions, prions. Commence à déclarer des choses dans ta vie. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Libère la parole, libère la parole, libère la parole, libère la parole. Bien-aimé, commence à libérer la parole. Élie a dit, sinon à ma parole. Élie a dit, l'Éternel est vivant. Oh, l'Éternel est vivant. Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Quelle parole tu vas adresser à Dieu? Parle de ton problème, parle de ta situation, parle de ton problème. Parle à ta situation. Oh, alléluia. Dis à ton problème. Dis à ton problème. Oh, non, même ton problème. Je connais le nom de ton problème. Appelle ton problème par son nom. Dis à ton problème que Dieu est vivant. Parle, bien-aimé, libère la parole. Libère la parole. Libère la parole. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as la parole, libère cela. Libère cela. Appelle même à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie, que tu aimerais que cela puisse exister. Oh, Dieu est là. Dieu attend que tu parles comme Élie. Dieu attend que tu parles comme Josué. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi qui peuvent parler ce soir, lui dire des choses. Je crois, je crois, je crois à ce que je dis. Je déclare ce dont je crois. Oh, les signes, les prodiges, les miracles m'accompagneront. Oh, les signes, les prodiges, les miracles accompagnent mon ministère. Oh, Seigneur, je déclare et je confesse. Je suis un homme puissant en œuvre, puissant en parole. Je crois le bonheur. Je crois au bonheur. Je crois à la grâce, Seigneur. Oh, je crois. Je déclare, Seigneur. Au nom de Jésus.